8e édition des Étoiles du commerce et de l'artisanat de Bordeaux à la CCI. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Patrick. Ce sont les offs de Sandrine et Patrick et c'est maintenant. En quoi elle est importante cette étoile pour vous ? Alors elle est importante pour moi bien entendu personnellement, mais c'est surtout pour les équipes, pour tous les efforts qu'ils ont fait ces dernières années de transformation, puisque le commerce se transforme. On a des activités autour du e-commerce bien sûr qui se développent, qui sont très fortes chez nous et qui nécessitent un grand changement dans les comportements des équipes. Alors vous, l'année dernière, c'est l'étoile de l'entrepreneur que vous avez remportée. Concrètement, cette étoile, qu'est-ce qu'elle a changé au quotidien pour vous ? Elle a changé beaucoup de choses, cette étoile. Déjà, ça nous a permis d'augmenter notre chiffre d'affaires de manière assez significative, plus 70%. Donc alors, on ne peut pas tout attribuer à l'étoile du commerce, mais ça a été un vrai levier parce que ça nous a apporté une crédibilité avec les institutionnels, avec les distributeurs et surtout avec les consommateurs locaux. Et donc, on était très contents d'avoir gagné. Le commerce de proximité doit exister et on revient à cette forme de commerce. Le commerçant est un entrepreneur. Un entrepreneur. Il emprunte, il gère sa vie, il gère son emploi, il ne demande rien à personne, il fait tout. Vous êtes avec nous ce soir pour cette 8e édition des Étoiles du commerce, mais vous n'êtes candidat à rien. Nous sommes candidats à rien. Nous venons ici parce que nous sommes ici depuis le début. C'est la 8e année que nous venons. Et en fait, c'est le plaisir d'être ici et d'être avec d'autres commerçants et de partager des expériences différentes. Très bien. Du coup, j'ai pu faire de belles rencontres, que ce soit la partie apéritif ou la partie à table. J'ai pu rencontrer de nouvelles personnes, donc c'était très intéressant.